Alors parle-nous du réalisateur, c'est Éric Rochamp. Il a 28 ans, il a fait l'IDEC, comme quoi on peut faire des bons films même quand on a fait l'IDEC. Ça mène à tout. Hein, il avait fait 3 courts-métrages. Oui, j'en ai fait 2 avec lui. Il en a fait 2 et 1 césarisé. Et 1 césarisé. Alors à une époque où tout le monde croit que le cinéma c'est du sensorround, du Dolby, de la 3D, pas du tout. C'est un petit film français, sympa, ouais, puis en plus, bien torché, malin. Et en plus, c'est un cinéma qui se sert uniquement du cinéma pour exister. Ouais. Quoi. Mmh. Il se sert pas de la pub, il se sert pas de la musique, un clip vidéo, etc. Pour essayer d'exister. Il fait du cinéma avec des recettes classiques, c'est-à-dire un personnage, une histoire, les conflits qu'il peut avoir avec la personne qui l'a. Il a une théorie qui est pas mal, il dit que c'est les personnages qui déterminent l'histoire. Ouais. Et l'histoire qui détermine la façon de filmer, ce qui est très simple en C'est très simple. Mais ce qu'il y a, c'est que par contre, là je crois où il est très particulier, où ce film lui appartient énormément, c'est que les personnages qu'il invente sont des personnages qui lui appartiennent profondément. Mmh. Et il les type énormément. C'est un film qui a failli pas exister parce que refus à l'avance sur recette, arrêt du tournage parce que plus de thunes, enfin dur quoi. Roca, il dit qu'il a passé 50 jours, enfin 50 sans nuits, sans dormir. Et puis malgré tout, 6 mois de préparation. Enfin, je veux dire que malgré tous les problèmes qu'il y a eu, il y avait une volonté de faire les choses proprement. Vous savez, c'était un pari énorme. Ouais. Quoi. À tous les trois, on avait un pari énorme. Mmh. Et c'est vrai qu'on se disait à chaque fois, il faut que chacun de nous fasse son boulot jusqu'au bout et correctement. Ouais. Parce que sinon, on n'était pas ni comédien, ni réalisateur, ni producteur. C'est un serment. Il y avait une sorte de serment tacite comme ça. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé. Roca du côté pognon pour essayer d'amener du fric sur le film. Et Rochon et moi du côté de la mise en scène et du personnage, quoi, le faire exister. Et on a travaillé relativement pauvrement, mais en même temps d'une manière extrêmement luxueuse, parce qu'on a travaillé quand même 6 mois pour faire le personnage. J'ai fait des essais, tout ça, Des essais en vidéo avec le copain, là, Alperne, que je vis en Attal. Mmh. On a travaillé ensemble, mais je ne sais pas, peut-être 3 fois par semaine. Mmh. Alors toi, on a l'impression qu'on te voit pour la première fois, mais en fait, ce qui est plutôt un compliment, pas vraiment pour les gens qui t'ont fait bosser avant. Mais... C'est à peu près pour moi aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je me suis vu, je m'étais jamais imaginé que je pourrais être Hippo. Quoi. Quand j'ai lu, pourtant c'était écrit pour moi, jamais je me serais imaginé que je serais un jour Hippo. Et c'est lui qui m'a forcé, quoi. Il m'a dit enlève, laisse juste ce qu'il y a au milieu, quoi. Une espèce de roche, quoi, bien dure, et avec ça tu vas faire Hippo. Et il m'a obligé vraiment, il m'a vraiment obligé, quoi, d'une manière amicale, bien sûr, d'une manière très très peu, c'est pas violent, c'est non, mais c'est une manière dure, tu vois, genre attention, on fait un film et ce film est important, on rigole pas, là c'est sérieux, mon pote. Alors c'est qui ce Hippo? C'est le roi de la rue? Ouais, c'est un roi de la rue, c'est comme il y a Eric, rebelle sans cause avec sa 404. Hippo arpente les rues de son royaume, qui est Paris, quoi. Ouais. Vraiment, c'est comme un roi dans son royaume. Il a bien la haine, quoi. Il est bien dur, il déteste tout le monde, il est renfermé sur lui-même, il est avec son pote et son frère. Hippo, il a une espèce de force à l'intérieur qui fait qu'il assume complètement sa situation. Ouais. Et sa situation, c'est ce monde est tel qu'il est, on n'a rien à espérer du monde, on n'a rien à attendre du monde, tous les rêves qu'on peut nous balancer, ça n'existe pas. Il parle toujours du grand marché européen. Grand marché européen, bon, par exemple, quoi, tous les idéaux de comportement qu'on a pu avoir à une certaine époque dans le siècle, ça n'existe plus. Okay, donc ça, c'est terminé. C'est la fin des idéologies. Ouais, et en plus, c'est même la fin des comportements. Quoi. Éthiopie, par exemple, ça ne sert à rien. Tu ne veux pas être Éthiopie, non, bah, c'est donc, sûr. Comme il n'y a rien, ça rend plus libre à partir du moment où tu l'assumes, mais c'est plus dur. Mmh. C'est plus dur parce qu'effectivement, il supporte le monde, comme il le dit à sa copine qui rencontre. Mmh. Et alors, évidemment, c'est plus c'est dur. C'est un nos futurs cool, quoi. Ouais, c'est-à-dire que nos futurs, non, au contraire, lui, il pense qu'il va vieillir, que ça va bien marcher, cool, etc. Sans espoir. Ouais, il est un peu désabusé, mais il est en même temps, il aime la vie, quoi. Il aime vachement la vie. Une phrase qui est très bien, il dit on n'est pas sur Terre pour être bien. Ah ouais. Hein, ça, c'est... Il n'y a rien à dire. Non, on n'est pas sur Terre pour être bien, c'est comme ça. Il dit je suis une machine à vivre aussi à un moment. C'est à partir de... Ouais, quand elle dit mais pourquoi tu vis, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Il n'y a rien. Je nais, je meurs, entre les deux, j'essaye de vivre. C'est comme je peux, c'est tout. Ça va plaire parce que c'est complètement l'esprit du temps. Moi je crois que d'abord c'est-à-dire que c'est l'esprit du temps, mais en même temps c'est un esprit qui rentre pas, on ne le voit pas souvent apparaître. Mmh. Mais je crois qu'à l'intérieur de beaucoup de gens, c'est ça. Mmh. Beaucoup de gens font les choses en pensant ça à l'intérieur. Ils le font, ils se déguisent le matin, ils vont au boulot, mais ils pensent ça en fait. Et ce qui est bien avec Hippo, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est que Hippo en fait, il a la pêche de ça. Ouais. Et puis alors un jour il tombe sur une gonzesse quand même. Ouais. Ça c'est dans le programme, c'est. Ouais. Il tombe, lui un peu feignant comme ça, et puis il tombe sur une pépé qu'on veut, qui a fait normal sub, non, un truc comme ça. Une bosseuse, comme on dit dans le film, c'est une fille qui fait normal sub, qui veut être la bête en économie soviétique, qui va aller en Amérique pour perfectionner son anglais, son russe, etc., pour devenir une bête, quoi. Vraiment c'est ça. Ouais. Et dans la vie, elle a ce but. Et si elle a ça, si elle atteint ça, elle est heureuse. Ouais. Je pense que là, elle réussit. Et Hippo, à cause de son point de vue, évidemment, c'est très déstabilisant, c'est angoissant. Un mec qui dit, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ouais. Si ça te fait du bien, si ça t'aide à vivre, d'accord, fais-le. Mais moi, j'en ai rien à branler. Et là, il commence à faire des concessions. Il est bien obligé quand même d'en faire un peu. C'est-à-dire que l'histoire, c'est un conflit dialectique entre cette nana, ce mec, et c'est vraiment de l'amour. C'est de l'amour, c'est-à-dire c'est ludique. C'est je te prends, je te jette, tu me téléphones pas. Elle est dans sa chambre, elle me lave, je téléphone, elle me prend. C'est comme ça, c'est ça l'amour, quoi. Et ils ont un amour entièrement dialectique, c'est le contraire d'un coup de foudre, amoureux, pur, c'est le contraire de ça. C'est l'amour, c'est un conflit, et on paye pour ça, on paye pour l'amour si on en veut vraiment. Et
avec cette nana, évidemment, il paye cher, parce qu'elle le fait payer cher. Qu'est-ce que tu as gardé d'Hippo après le tournage? Je crois que j'ai gardé une confiance que j'avais pas avant. Ouais. Avant, j'avais vachement plus peur. Je crois que maintenant, j'ai vachement moins peur. Mmh. C'est pour ça que c'est un film qui fait du bien. Moi, je crois que c'est un film qui fait du bien parce que Hippo, il nous venge. Ouais. Il nous venge de plein de choses. Ouais. Il y a plein de choses que nous, on n'ose pas faire, mais que lui, il fait. Et royalement, en plus, vraiment cool. Vraiment là, t'es cool. Comme lui, là, tu vois. Quand tu fais la promo, je sais pas, FR3 en province, comme ça, on te demande si t'es le fils d'Ami Girardot. Ouais, ça m'arrive. Ou pas aujourd'hui, tiens, mais ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce que tu réponds? Je dis non, je suis sa grand-mère, tout le monde le sait.